Dans la musique en général. On va dire que ce qui me plaît vraiment, pourquoi j'ai choisi d'être musicien et musicien de jazz plus précisément, c'est que dans cette musique, il y a une grande liberté. Et dans le jazz, dans la musique improvisée comme ça, en fait, personne ne peut me dire ce que je dois faire. Je suis complètement libre à faire ce que je veux. Et évidemment, j'essaye d'être... c'est une musique qui se fait avec les autres, donc ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais essayer de faire quelque chose de mieux avec les autres. Mais c'est comme vivre ensemble avec les autres, en quelque sorte. On essaye de communiquer au mieux, mais en même temps, on n'a pas envie d'être... emprisonné quoi par la société. Aimez-vous l'idée de faire un concert organisé par des enfants? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, ça m'est jamais arrivé. Alors je trouve c'est super parce que ça, je trouve ça super. Excusez-moi pour les fautes de français. Parce que ça, je pense que ça vous fait apprendre beaucoup de choses sur le. À comment déjà organiser les choses pour que ça fonctionne et puis à la fin si tout marche c'est génial, donc j'espère que tout va marcher. Vous avez vécu aux États-Unis, en Allemagne et maintenant en France. Est-ce que ces changements vous ont apporté quelque chose? Ont-ils modifié votre façon d'improviser? Alors ça m'a apporté beaucoup de choses, oui j'ai grandi en partie aux États-Unis. Ça m'a déjà apporté de parler l'anglais, ce qui est pas mal. Et puis, en fait, de vivre, surtout de vivre à l'étranger, ça donne un autre regard son propre pays. On est moins. On voit les défauts et on voit aussi les choses qui sont bien.
plus que quand on ne bouge pas. Donc moi j'aime bien, en fait j'adore ça, j'adore vivre à l'étranger, j'adore revenir en Allemagne aussi, ça fait que on n'a pas vraiment de j'ai pas le sentiment d'avoir une patrie ou quelque chose comme ça. Donc c'est plus je me sens plus nomade, je pourrais vivre je pense dans n'importe quel pays. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé avec la musique, donc il y a des pays où j'aimerais moins vivre. Mais... soir, on n'a jamais joué dans ce trio ensemble. J'ai jamais joué avec Didier. J'ai joué avec Bruno, mais j'ai jamais joué avec Didier. Donc, un trio comme ça, on n'a jamais joué ensemble. Le jazz, c'est inventer tout le temps. Improviser, c'est inventer, c'est créer. Et c'est finalement ça qui me... dans la vie qui me rend heureux, de faire quelque chose, de créer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans le jazz? Tout. Tout, enfin, bon, pour essayer de simplifier la réponse, je crois que c'est une musique qui donne beaucoup de liberté à l'interprétation, où contrairement à d'autres musiques, notamment la musique classique, ce qui veut pas dire que c'est pas bien, hein, mais ce n'est pas la partition qui commande, c'est celui qui la joue. Donc en fait, chacun a une possibilité de s'exprimer et de faire quelque chose que quelqu'un d'autre ne ferait pas. Donc je trouve que c'est très valorisant pour chaque individu. Évidemment, il y a un sens collectif aussi, puisque les choses se construisent avec d'autres musiciens, mais quand on prend la parole... Enfin, on n'est pas censé restituer un texte, sauf quand c'est des musiques très écrites, mais dans l'esprit du jazz, c'est l'individualisation du discours. On parle à la première personne. Voilà. D'accord. Avez-vous toujours eu envie d'être jazzman? Et pour moi, c'était un rêve extrêmement lointain. Donc j'ai fait de la musique parce que j'avais envie d'en faire, en amateur, pendant que j'étais étudiant, lycéen. J'ai monté des orchestres, donc j'avais un sens de peut-être de l'organisation des choses. Et puis c'est venu tout seul. C'est venu... Il y a un moment, j'ai pu franchir le pas. Alors pas tout à fait dans la musique que je jouais, parce que faut savoir que le jazz est une musique qui ne touche pas un très grand public, un très large public, malheureusement. Et donc on n'en vit pas toujours. Alors moi, je suis devenu musicien professionnel au sortir de mes études. J'avais fait des études de journalisme à Lille, une très bonne école de journalisme à Lille, et j'habitais Lille à cette époque-là. J'ai eu la chance de rencontrer des chanteurs, pas de jazz du tout, chanteurs de variété, qui démarraient une carrière et qui n'avaient pas de musicien attitré. Je les ai juste rencontrés au bon moment et ils m'ont proposé de les accompagner partout. Et donc j'ai gagné ma vie avec la musique comme ça. Évidemment, quand j'étais pas avec eux, j'étais fourré dans les clubs de jazz à Paris, etc. J'ai déménagé à Paris, bien sûr. Et puis parce qu'à l'époque, jouer du jazz, c'était déjà difficile d'en vivre, mais alors en vivre même à Lyon, il n'y avait personne. Hein, à la fin des années 60. Et simplement, les choses se sont faites. Évidemment, c'était un désir, mais je n'y croyais pas moi-même. Parce que ça me semblait un monde très lointain. On était un peu... Oui, on regardait ça comme l'Amérique, quoi. Parce que c'est un peu vrai. C'était un peu l'Amérique, parce que c'est une musique américaine au départ. Donc il y avait un océan entre nous autres, petits Français, et puis cette musique-là. Mais il y avait déjà des musiciens français. Mais moi, je ne m'étais pas préparé à être ça. C'est,
Ça s'est fait certainement parce que je voulais le faire à tout prix, même sans m'en rendre compte. Donc en fait, on se met en situation en deuil et puis les choses arrivent. Aujourd'hui, ça ne se passe plus vraiment comme ça. Comment trouvez-vous le projet jazz? Le vrai, je trouve que c'est quand même assez sympa de venir. C'est pas si courant de venir jouer dans un collège, parce que ça peut arriver, mais souvent ce sont des animations où les élèves ne sont pas vraiment préparés à ce qui va se passer. Ici, je pense qu'il y a une vraie préparation, donc c'est tout autre chose que c'est un vrai projet. Dans la salle. Thank you.
Thank you.